c'est d'abord extraordinaire parce qu'il s'agit d'un manuscrit de travail. Et dans le cas d'Einstein, un manuscrit de travail, donc un brouillon avec ses ratures, avec ses corrections, c'est très rare parce qu'Einstein était quelqu'un qui gardait assez peu ses brouillons. Et c'est extraordinaire également parce que c'est un manuscrit de travail qui documente la genèse de la théorie de la relativité générale, qui est vraiment la découverte la plus importante de la carrière d'Einstein et aussi probablement une des théories les plus importantes de l'histoire de la science.